Et bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogné, l'écurie Cornell Racing Team sur F24 et le My Team. Comme vous pouvez voir, on s'en va aux Pays-Bas pour la 15e manche de la saison sur 24 Grands Prix. Kelly Vrogné qui lutte avec Fernando Alonso hein, qui sont en égalité en 8e position. Mais son rival numéro 1, c'est Sergio Perez. On va en parler un peu plus tard. Sur ce, on se lance vers l'introduction en fait d'où ce qu'on est rendu avec ce My Team. C'est parti! D'ailleurs, avant de faire le renouvellement du sponsoring loop, eh bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Donc, effectivement, on va renouveler loop qui est quand même... les deux sponsors qu'on a sont assez bons. On regardera plus ça pour la prochaine saison pour les changements. Donc, on a des... c'est la trêve de la saison. Donc, on n'a pas d'activité potentielle. On a quand même 5 749 points. C'est bon, puis au classement, tiens, on va prendre le temps de regarder le classement au moins. Max Verstappen qui est notre leader devant Lando Norris, c'est très serré entre les deux pilotes. Lewis Hamilton qui aussi progresse très bien. Et comme vous pouvez voir, Sergio Perez en 7e position, 118 points contre nous, 106. Il est notre rival. Et on peut voir justement les résultats de la saison de chacun des top pilotes. Hein, Max Verstappen qui a quelques courses difficiles depuis Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique. Lando Norris également a eu une crevaison en Belgique. Quant à nous, eh bien, ça allait bien. Ça allait bien depuis le Canada, mais malheureusement, hein, l'incident qui s'est passé avec Carlos Sainz, qui d'ailleurs ne sera pas pénalisé, qui va avoir fini en deuxième place avec le tour le plus rapide. C'est assez triste. Merci. Malgré tout, on a une saison respectable avec la nouvelle écurie québécoise, Cornell Racing Team. Et quant au moteur, ben là, ça va être le temps de le changer parce que le moteur à combustion interne est à 61% et il nous en reste quand même quelques-uns. Et ça n'a peut-être pas aidé pour notre course en Belgique. Maintenant, pour la boîte de vitesse, il va falloir changer ça après les essais libres, idéalement. Et au niveau... on voit encore une fois le fameux bug que notre couleur est noire. Mais on est vraiment bas, on est tout près de Kicksover. Alpine nous a dépassé. Racing Bull, As Williams... Donc, ça je voulais faire. Mais on a quand même beaucoup de développements qui sont en attente et qui pourraient nous permettre de nous booster et de rejoindre les écuries qu'on a l'habitude d'être devant en termes de développement. Donc c'est parti, on va faire accélérer et se rendre à la trêve de la saison. Et en plus de ça, eh bien je vais aller modifier la couleur pour que ce soit doré. La trêve est donc commencée, on vient d'avoir une première amélioration. Est-ce qu'on peut avoir des activités? Oui! Oh, on peut vraiment... améliorer plein de choses, événements d'écurie. 750 points pour la visite du QG, on va le faire. J'aime beaucoup celle-là pour la simulation de course, mais je pense qu'Arthur Leclerc, j'ai pas trop le goût d'investir beaucoup dans lui. Il fait chier. Tiens, je vais faire ça, puis gars, je vais lui donner juste ça. Je vais pas prendre la popularité de nous autres. Donc, ce sera les activités qu'on va faire. Oups, est-ce qu'on a des messages? Non. Au niveau de l'infrastructure, on a 5 millions, mais c'est pas assez pour. Upgrader ce qu'on veut. Voilà, avec une amélioration, on vient de dépasser Racing Bull Alpine et on se rapproche de Williams et Haas et même d'Aston Martin. Il nous reste encore 3 améliorations à avoir et là, on peut voir justement notre couleur. On progresse, mais on fait vraiment partie en théorie des pires voitures du circuit. Notre compte, regardez, 1,25 million la valeur de marché d'Arthur Leclerc, mais c'est pas le cas pas tout là. En ce moment, il est vraiment... très lamentable, on n'a pas d'avantage qu'on peut rajouter et sensiblement ça va être ça pour le moment. Let's go, on avance le temps. Visite du QG du sponsor. Oh, on va voir si une amélioration qui passe. Ah, elle n'a pas passé. On a de nouvelles pièces pour le prochain week-end, mais fait chier. Certaines d'entre elles n'ont pas passé le contrôle qualité. Ouais. Alors, on va devoir signaler à l'équipe quelles améliorations on souhaite relancer sur l'écran R&D. C'était celle-là que j'avais faite, je pense, avancée, là, avec 35% de possibilité d'échec. De mémoire, je pense que oui, mais merde, ça n'a pas marché, puis j'ai pas assez de points pour le renouveler. Ah, mais au moins, on a eu celle-là du châssis. On va continuer, on va avoir des ressources. On va pouvoir peut-être le faire, là, oui. J'espère, oui, on va pouvoir le faire. Puis on va l'avoir finalement comme il se doit. Ça nous a juste coûté 700 points de ressources de trop. Donc là, on est de retour derrière les autres, derrière Alpine. Ah là là là, il n'y en aura pas de facile. Mais bon, direction les essais libres de ce Grand Prix.
ce week-end de course des Pays-Bas, 15e manche sur 24, le fameux circuit de Zandvoort. Ok, Pierre qui nous dit « Salut boss, j'ai été au téléphone avec nos collègues de chez Renault. Bonne nouvelle, ils viennent de terminer un nouveau lot d'amélioration de notre bloc propulseur. » Ok, c'est bon. Merci Renault. Sinon, au niveau de la pluie, ça va bien, piste sèche, c'est excellent. Comme on peut voir, 2 sur 3, ça a marché. Et autrement, ben notre rivalité, on est en égalité avec Sergio Perez. Hein, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Ça va être extrêmement difficile, mais on peut y arriver. Oui, on a remonté justement avec les améliorations, là, ça a bien fait. On est devant Williams, mais on est quand même derrière Alpine qui progresse assez bien. Mais avec les 3 améliorations, on devrait être en mesure de dépasser. Regardez, là, le boom, on a profité du lot. Et McLaren est dorénavant la meilleure équipe surpassant Ferrari. Mercedes est devant Red Bull, c'est pratiquement identique. Aston Martin est un peu fin seul en tant que 5e meilleure voiture. Et on va aller directement vers les essais libres. Là, ici, la difficulté, on y touche pas. 95, ce sera. Essais libres, let's go. On va essayer d'aller chercher le plus de points de ressources possible, comme à l'habitude. Let's go. 6 minutes 50 pour un 100%. C'est bien fait. 6 minutes pour un 70%. Fais pas chier. Excellent. On continue avec les rythmes de qualification. On va y aller pour un 100%. 7 minutes 10, c'est bon. Ça va nous laisser genre 9,50 kg. Ben ouais, gars, on y va. On y va pour les 7 minutes 10. Ça va être tout après. Excellent. On n'a pas assez de temps pour quoi que ce soit. Mais on vient d'avoir 4 programmes. Ou du moins, pas un programme, mais 4 améliorations. 4 fois des points de ressources. On termine donc cette première séance d'essais libres avec le sourire. La question, est-ce que le sourire va demeurer pour les essais libres numéro 2 et numéro 3? Et je vous rappelle, il faut aussi changer les pièces moteurs en vue de la qualification. Let's go, on continue. Essais libres numéro 2. Là, on va prendre... c'est plus que la moitié du temps, mais ça vaut la peine, je crois. Il y en a un que je pense qu'on n'aura peut-être pas. 6040, 5,70%. C'est bon. Puis là, 6,40. J'ai-tu un autre 6,40? Ah non. 6,20. 50%. Oh, c'était limite ça. Tout ce stress et ça a marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. C'est très bon. On pourrait y aller jusqu'à 10. Si on peut avoir les 3 prochaines améliorations qui passent. Si c'est pas 4. Mais quand on a 10 sur 15 améliorations des programmes qui passent, c'est vraiment une réussite. Quand c'est 9 sur 15, c'est excellent. Quand c'est 8 sur 15, c'est OK, bon. En bas de ça, ben là, en bas de ça, c'est décevant. Comme là, ça marche. Excellent. Un peu long les 10 minutes. Un peu long les 9 minutes. 6 minutes, 70%, on va le prendre. Let's go. Puis là, 11 minutes. Je sais que j'ai un 9 minutes, 70. Si c'est bon. Ouais, je pense qu'on va y aller avec... le moteur. On va essayer d'améliorer le moteur. On l'a eu. Donc là, en ce moment, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est exactement le mieux que l'on pouvait faire pour les essais libres de Zandvoort. Let's go. 937 points. 250 points sur Leclerc. On passe de 500 à 1700 points. Et évidemment, des bouts de développement seront appliqués sur différentes pièces. C'est une bonne nouvelle et notre popularité qui continue d'augmenter. On vient d'atteindre les caps des 13 points. Ça prend cependant les 20 points pour pouvoir rajouter des améliorations sur notre personnage. On continue de progresser, c'est ça qui est important. Arthur Leclerc, lui, qui est bien en dessous de nous. Donc, avec 1700 points, on a un beau petit message de Jeff qui nous dit que c'est un circuit étroit, on le sait. Est-ce qu'on peut faire des améliorations? Et j'aime pas ça, payer ça, alors que... Oh, on pourrait l'avoir avant la mise à payer de gens. Puis c'est juste 20% de risque d'échec. Ah là là, y a-t-il quelque chose qui pourrait être mieux comme ça? Coûte moins cher? Peut-être pas la meilleure chose à faire, mais donner analyse des pneus. Bon, j'avoue que c'est pas tant worth it. Ici, cap moteur distribution. Ok, regarde, on va prendre celle-là, je pense. Coûte moins cher, 3%. Ouais, on va prendre celle-là, puis ça va être ça. On va profiter des rabais. Et on a maintenant, encore une fois, 4 améliorations qui sont en cours. Là, on n'oublie pas de faire quelque chose, changer le moteur, on est à 67%. On va prendre notre dernier nouveau moteur combustion interne. Ici, 30%. On va prendre quand même notre
troisième MGUK qui va être à 0%. Ici 49, on va prendre le dernier. On va prendre le. Je pense que je vais prendre lui que j'ai déjà utilisé à 25%. Ouais, on va s'économiser un au moins 9 pour peut-être les derniers grands prix. Ici ça va. Éventuellement on va devoir prendre une pénalité, mais non. Même chose, on va avec le deuxième turbo compresseur. Ici ça va, sont égales les électriques de commande. Et là c'est clair et net qu'on prend la quatrième boîte de vitesse qui va s'installer parce qu'on est quand même assez usé. Merci. C'est parti. Donc là, bon, je regarde un peu les statistiques, mais on est prêt pour la qualification courte. Let's go! Regardez cette marée orange. Sans surprise, nous sommes à Zandvoort, aux Pays-Bas, où Max Verstappen est célébré comme une rockstar. Il s'agit d'un circuit rapide, idéal pour des qualifications spectaculaires. Bienvenue à la séance de qualification du Grand Prix des Pays-Bas. Let's go, Calibrogne, on croit en toi. Ok, on est parti pour le premier tour. Je vais être honnête avec vous, c'est pas nécessairement un circuit que je suis performant. Toutefois, je l'apprécie. Il est vraiment le fun à piloter. Pas toujours évident, mais je l'apprécie. Donc, on va y aller. Mieux qu'on peut pour faire le meilleur chrono. Déjà que le premier virage, ça a pas bien été. Ici non plus. Voilà, c'est ça paraît quand t'as pas fait aucun tour. Puis tu commences directement avec ça. Mais bon, ça va être un début. Comme ici, je freine tout le temps un peu, mais on dirait que j'ai pas besoin. Ici, il faut éviter le vibreur qui est là. Ici, il faut pas trop accélérer, sinon on perd le cul. Si on se laisse rouler, faut pas toucher au vibreur non plus. Ça va, ça va. Ok, c'est pas si mal là, comme tout jusqu'à présent. Attention au vibreur aussi ici. On active le DRS. La batterie est dans le piton. Et on est troisième derrière les Ferrari. 3 dixièmes. C'est quand même un bon temps. 1:10.6. Let's go. Donc, troisième derrière Carlos Sainz et Charles Leclerc devant Fernando Alonso. Par pas beaucoup. Encore, Gasly a fait un excellent temps. Bon, Lando Norris qui vient de marquer le tour le plus rapide par 78 millième. Perez qui vient de nous dépasser. Holy crap. Holy crap, notre rival, justement. Ça sera pas facile. Bon, évidemment, Oscar Piastri qui marque le troisième meilleur chrono. On recule, on est de renommée à 7e. Max Verstappen qui est derrière Sergio Perez par 4 millième. Ok, ça va nous prendre évidemment un meilleur tour. Arthur Leclerc qui n'est pas dernier pour une des rares fois. C'est Valtteri Bottas qui s'est loupé, hein, qui est à 2 secondes. Il a dû bloquer les roues. Probablement, il reste encore Lewis Hamilton qui devrait probablement nous dépasser. Mais Arthur Leclerc qui est devant Guan Yu Zhou, Ricciardo, Sargeant et Bottas. C'est beau à voir, c'est agréable. Juste derrière les As. Mais est-ce que ça va le demeurer? Bonne question. On va avancer le temps. On va laisser les voitures de faire des tours. Il y a Lewis Hamilton, oui, qui prend la 4e position. Donc on est 8e. Ok, ok, ok. Et là, il n'y a plus personne sur la piste. On va y retourner pour un deuxième tour, ça c'est sûr, dans quelques instants. Ok, deuxième tour. Let's go, let's go, let's go, let's go. J'ai-tu vraiment touché au gazon? Merde. Ah, c'est large, mais... J'essaye une autre trajectoire. Puis on gagne déjà presque 3 dixièmes. Let's go. On lâche pas. Non. Oh, on a tout perdu. On va quand même essayer d'améliorer avec le mieux qu'on peut faire. Oh, on tourne le vibreur. Ah non, c'est... Non, 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 non. Il faut absolument revenir pour un autre set de tank. Ok.
dernière chance, troisième tour. C'est parti. Tant qu'on se fait pas bloquer par les voitures devant, merde. Ok. Oh oui, let's go, let's go, let's go, let's go. On améliore de presque 4 dixièmes, oui, 4 dixièmes. Let's go, premier secteur, purple. C'est ici qu'il faut pas se louper. Ça n'a pas été le meilleur, mais on améliore de 5, 6 dixièmes. Let's go, let's go, let's go, let's go. 6 dixièmes. Ah oui. Pour vrai, là. Quelle lap. Oh, meilleur tour. Impossible. Avec une difficulté de 95 et une voiture qui devrait pas être en pole position, on fait un très bon tour. Let's go! Et là, qu'en est-il de la suite des choses? On va retourner justement au garage. Est-ce qu'on a la pole position? Parce que j'ai pas pu voir là. J'ai cliqué garage, ça fait tout. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Impossible. Quel ivrogne. Pole position au Grand Prix des Pays-Bas devant Lando Norris par 30 millièmes. 32 millièmes devant Charles Leclerc. 51 millièmes pour Carlos Sainz. 56 millièmes pour Oscar Piastri. C'était extrêmement serré pour le top 5. Et finalement, Fernando Alonso, 6e. Mais le pire, c'est Perez et Verstappen qui sont 8e et 9e. Regardez les tags, comment c'est serré. Verstappen est à 1 millième devant George Russell et 4 millièmes Perez devant son coéquipier. C'est assez impressionnant. Et qu'en est-il d'Arthur Leclerc? Ah, ok, au moins il n'est pas dernier. Puis au moins il est d'un temps des autres. Il était tout le temps comme 5 dixièmes en retard. Là, au moins, il lutte avec les voitures qui en théorie devraient lutter. Regardez ici la différence. Hein? Del As, Kicksauber, Williams qui a vraiment bien fait versus l'autre. Là. Albon, 13e, Sargent. On parle de plus d'une seconde de différence. Mais ça s'annonce toute une course ici pour le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Waouh! Évidemment, bilan de la rivalité, 2 points pour Kelly Brown, 1 point pour Sergio Perez. Et la popularité de l'équipe qui augmente grâce à la pole position de la Québécoise Kelly Brown. Les passionnés néerlandais de F1 sont systématiquement présents dans les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Difficile de les manquer avec cette couleur orange qui les démarque des autres fans. Ils vont finalement avoir l'occasion de se rassembler à l'occasion de leur Grand Prix à domicile après des années d'absence au calendrier. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La rookie part en pole position, accompagnée de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hamilton, Perez, Verstappen, Russell, Gasly, Stroll, Albon, Tsunoda, Ocon, Ricciardo, Magnussen, Joe, Bottas, Hülkenberg, Leclerc et Logan Sargeant. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écurie et la jouer collectif. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. Oui, oui, oui. Surtout quand Arthur Leclerc est bien loin dernier. Donc on va commencer à entendre puis on va finir en médium. Évidemment, et on se retrouve à la fin du tour de formation. Ok, remise en grille avant le départ. On a de la misère avec le pneu avant droit.
Mais ça va être ça, je pense. Ouais, ça va être ça. Ouais, ça va être ça, je pense. Ça va être le mieux qu'on peut faire. Tout se présente bien, la météo est avec nous. Purple, let's go! Pole position, c'est parti. Concentre-toi et surveille les feux. Et les feux s'éteignent et ça roule en... au Grand Prix des Pays-Bas. Mauvais départ de Kelly Vrong qui s'est fait déjà attaquer. Mais quand même prend un peu large, mais reste devant Lando Norris. Et Sainz et Leclerc qui lutte à l'arrière. Mais ça va, on garde la tête de ce Grand Prix pour la Québécoise de la Cornell Racing Team. Leclerc 3e, Sainz 4e, Alonso et Piastri qui semblent lutter déjà pour la 5e place. Ça va. Tout va se jouer surtout avec le DRS de la première, ben, de la ligne d'arrivée dans le fond. Il faut surtout pas commettre d'erreur là. La question, est-ce que Kelly Vrogne va finalement remporter son premier Grand Prix et conclure une pole position vers la victoire? C'est une excellente question. Pour l'instant, ça se passe sensiblement bien, mais c'est quand même 18 tours au légère ici, frousse. Le DRS ne sera qu'activé qu'au prochain tour. Pour le moment, on utilise la batterie qui était pratiquement à 100%. Oh, on va un peu dans le gazon. C'est pas la bonne chose à faire. DRS autorisé. Mais ça va pour le moment. Alonso qui consolide la 5e position à l'arrière. Ça va la Québécoise qui reste devant Lando Norris, mais ça sera pas facile, je crois. Non, il n'y en aura pas de facile. Mais si elle peut demeurer devant, malgré le DRS, un peu comme c'était le cas en Belgique. Ou même, en, pas en Belgique, mais en Hongrie. Hein, protégée avec le RS. Ça peut faire la différence. Ouais, elle était à 100% de la batterie, fait que... ça. S'il peut y avoir un peu de duel à l'arrière, là, ça ferait du bien. Peut-être que justement qu'avec le DRS, ça va influencer les luttes à l'arrière. On va le voir là. Norris que le DRS pour la première fois, on prend l'intérieur. Mais non, il veut vraiment prendre l'intérieur. On va large. Norris qui time là. On donne un peu d'espace. Mais on ferme la porte au bon moment. Et on referme la porte une autre fois. Waouh, c'était limite d'un contact avec le Britannique. Mais ça va. D'ailleurs, Lando Norris a le tour le plus rapide. C'est bien fait. 7e, si on s'éloigne. Ah non, ça c'est manqué. Ah, oh, c'est très manqué. J'allais dire si on pouvait s'éloigner du DRS. Du pilote McLaren, ça ferait la différence, mais non, malheureusement, on a commis une erreur. Et ça va donner la chance à la McLaren numéro 4 de potentiellement attaquer une deuxième fois. Bon, on va s'attendre justement à des duels avec le DRS, c'est inévitable. Regardez le secteur 2 qui est jaune. C'était évident à la suite de l'erreur, une erreur idiote. Mais bon, on est quand même un peu loin. On va continuer de défendre avec le RS. Ça fonctionne jusqu'à présent. Là. Même pas besoin ici de laisser d'espace. On ferme la porte facilement. Let's go. On prend un peu large ici, mais ça nous donne comme une sorte de trajectoire qui fonctionne pareil. Mais regardez comme Lando Norris a eu un beau virage. Ah, merdouille! Ça sera pas facile pour tout le Grand Prix. Faut éviter le vibreur, là. Hein. Il est très dangereux. Mais on tient bon. On tient bon. On a 90% de
ERS, on manage la batterie, justement. Pour demeurer devant, là, c'est pas un de nos bons tours en ce moment. Mais c'est pas grave. Et là, les pneus, on va les surveiller parce qu'ils peuvent surchauffer ici. Let's go, la batterie à 80%. Il faut demeurer, il y a déjà une séparation qui s'est faite. Oh my god, là, cette fois-ci, la Norris qui va pouvoir attaquer vraiment intensément, mais on prend très large. On veut défendre la batterie. Oui, on défend. Ouf! C'était limite lors de ce tour numéro... début de tour numéro 5. Mais c'est bien fait. On reste devant. Et on a presque plus de batterie cependant. Il va falloir rééconomiser. Alors, il y a le pneu avant gauche qui surchauffe à ce virage-là. Là. Encore le pneu avant gauche. Oh, là, on va un peu dans le gazon. Oh, regardez, on a failli perdre la voiture à cause du gazon. Ça va être très difficile. DRS activé pour la Norris. On va utiliser donc la batterie. Pas trop. OK. Kelly Brown qui demeure quand même en tête de ce Grand Prix. Après 5 tours complétés. Ça va, mais là... Lando Norris va attaquer de nouveau et de plus belle, je crois. Ah oui, c'est extrêmement serré. Les deux sont coude à coude. Oh, Lando Norris semble avoir un peu le dessus, mais on utilise la batterie. Et finalement, oui, la défense passe. Ouf, très limite. Leclerc toujours troisième devant Sainz et Alonso. Mais là, il faut recharger la batterie. Oh là, c'est très lent, là. Le pneu avant gauche qui souffle. Mais on résiste. Oh, légère glissade. C'est pas ce qu'on espère voir. Puis la batterie qui est toujours un peu plus usée, on dirait. ...70% pour défendre. Let's go, on l'active en même temps que le DRS. Et le DRS qui va encore une fois lutter, mais si ça continue de même, là, ça va être un beau duel jusqu'à la ligne d'arrivée, là. Bon, on prend large ici, c'est mauvais. Mais on a une trajectoire plus rapide. C'est bien fait, on demeure devant. La question, ça va être les arrêts ou plus. On a toujours, Kelly a toujours de la difficulté, il y a un manque de confiance quand 40 au puits, puis d'arriver comme à... pour éviter les fameux 10 secondes de pénalité, là, qui peut être plus que mortel. Ça reste qu'elle est en tête avec le 7e tour qui est déjà à mi-chemin. Oh là 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 là! C'est quel tour qu'on s'arrête justement? 9e tour. Il y a le pneu avant gauche qui est très usé, est à 25%. Il va un peu même dans le gravier à ce moment-là. C'était pas l'idéal, mais là on a beaucoup de batterie. On a économisé suffisamment pour en avoir presque 90% pour cette attaque. Oh oui, on est mieux placé déjà. Et on se place devant Lando Norris. Qui n'attaquera pas. Ça va, la numéro 91 de la CRT, la recrue de la Formule 1 qui est en tête. Et on approche la mi-course. Oups, on a rétrogradé un coup de trop. Et là, je vais choumer. OK. Désolé. Let's go. Il faut pas lâcher la patate. Oh, j'allais dire ça, puis en même temps, je perds
le contrôle de la monoplace. Le pneu avant gauche qui est presque à 30%. On a 100% de batterie. On va l'utiliser, évidemment, pour rester devant Lando Norris. Mais ça va. Il n'y a pas de dépassement à l'arrière. On est comme un train DRS. Hein. On forme le train DRS. Mais on reste devant Lando Norris. Qui, lui, là, va nous attaquer solide. Là. Il devrait être bon, là. Non, je pense qu'on va... On va repousser un tour de plus. On va éviter de se faire... De retourner sa piste puis qu'elle foule le trafic, là, comme la dernière fois. Parce qu'il dit quoi, là? On retournerait dernier. C'est normal. Oh, ça, c'est un virage manqué. Fallu qu'on lâche la pédale. On s'arrête tout de suite. J'ai comme un doute. Il me semble qu'on peut faire... Tu vas rentrer au stand. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands. Et ne roule pas trop vite. Ah, stylé. Confirmé, on t'attend au stand. On va y aller, on va y aller. Là, faut pas que je rentre trop vite, mais j'haïs ça. Genre, les sites, faut que je pèse sur le freinage. Là. Ouais, c'est ça, vous voyez comment je suis noob. Ça a été beaucoup trop précoce, là. On vient de perdre facilement 2 secondes. Let's go, mon équipe, let's go, mon équipe. Oui, c'est bon. Oh, puis. J'en connais un qui s'est fait dépasser. Lando Norris. Oh, on a failli toucher le mur. Lando Norris qui s'est fait dépasser, là. Par Charles Leclerc. Là, let's go. Pour rattraper le temps qu'on a perdu, parce que c'est sûr qu'on va se faire overcut, là. Mais on est capable de remonter. Ah, ça, c'est pareil, c'est des médiums. Non, j'ai pas de voiture de devant, là. C'est juste parce que c'est des médiums. J'ai pas de DRS. Let's go. Ah, ça paraît que c'est des médiums. Ah, c'est large ici. Faut se réhabituer. C'est pas des softs, là. Let's go. Bon. C'est là qu'on va le savoir. C'est là qu'on va savoir si on s'est fait overcut pour une deuxième course. On défend et oh, c'est très limite. Est-ce que c'est Perez? On ressort. Oui, on ressort devant Perez. Holy shit, Perez qui a réussi un overcut avec George Russell sur le Donoris et Charles Leclerc, notre rival qui est derrière nous. Oui, je sais, pour le reste, t'inquiète. Oh, ça, c'était pas un bon vibreur. Mais ça va, on est en tête. Fait que si on peut conserver ça, ça peut être une victoire pour Calibrogne, alors qu'il reste quoi, 8 tours. Puis Perez qui est en gomme dure. Gomme dure. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Oui. Gomme dure. Non. Esti, faut pas que je m'excite trop. Mais c'est fou. Probablement qu'elle va se faire attaquer là, même si elle a le DRS. Regarde comment elle est loin de moi, là. Même si c'est 4 dixièmes. L'écart avec notre coéquipier est de 11. On n'a même pas eu besoin de défendre. Quelle stratégie de Red Bull. Étrange. Oh là là. Oh, Perez qui s'est loupé. Perez qui s'est loupé. Évidemment, les gommes dures, hein? Mais ça aurait, c'est pratiquement pas à notre avantage, ça.
À moins qu'on sorte du DRS de George Russell. On est-tu capable de sortir du DRS de George Russell? Non, 7 dixième. 5. Non, ah, puis en plus, on manque de batterie là. Pour charger et ça presse. Ah non, ça c'est dommage. Va falloir défendre du mieux qu'on peut avec le RS. Mais regardez comment George Russell est proche de nous. Shit! Il va pouvoir vraiment nous attaquer de ce coup-ci. Puis dangereusement à part de ça. On retarde le freinage, mais on se place devant le Britannique de chez Mercedes. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Drapeau vert. Ok, nous c'est vert. Oh, mais on prend large, mais comme ça, on peut reprendre notre trajectoire, couper légèrement. Ok, Perez qui est quatrième. Fait qu'on se bat pour un podium quand même, là. Je sais pas qu'est-ce que c'était le drapeau jaune. C'est pas un abandon. Ça doit être un dérapage, un blocage de roue. J'ai pas le temps de regarder la minimap. On recharge les batteries. Du mieux qu'on peut. On va l'utiliser un peu ici. Je vois une McLaren qui est très loin, derrière une Kicksauber. Ah non, ça c'est un virage totalement raté. Au moins, on n'a pas perdu le contrôle. Let's go, let's go, let's go. La batterie. Encore une fois. Il reste quoi, 5 tours? Et on va pouvoir défendre aisément sur George Russell en retardant le freinage, en se plaçant devant. Et Max Verstappen qui soudainement se bat hein, pour la quatrième place. Mais il faut rester concentré sur notre course de devant. Sainz qui s'est fait dépasser par Verstappen. Red Bull, Perez qui s'est complètement loupé. Nous autres, il faut arrêter de regarder les autres choses. Il faut se concentrer sur notre course. Verstappen qui a le tour le plus rapide quand même chez eux. On continue, on lâche pas. Faut économiser les batteries là. Ok, on est à 70%. On va pouvoir l'utiliser un peu ici. Alors qu'il va vouloir utiliser le DRS. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Oui, mais pas trop parce que je veux en garder pour la suite. Ouais. La ligne droite. Let's go, on l'utilise. Ah ouais, let's go Charles, va donc lutter avec George Russell. Et Simonac, mais si c'est comme ça, on gagne la course. Verstappen vient de prendre un qui est encore quatrième. Let's go Calivrogne, choke pas comme on dit. Je pense que le fait d'avoir changé les pièces du moteur font aussi une grosse différence. Ah non, j'aurais dû rester. Ah, j'ai manqué mes rétrogrades. Ouh! Le pire de tout ça, c'est que Max Verstappen se rapproche de nous 1,6 secondes. Mais nous, on économise la batterie comme elle est à 100%. On va y arriver. De toute façon, c'est un train. La seule chose... Faut c'est conserver le devant du train après le premier virage. Autrement, on est legit. Et voilà, on start. Let's go. 3 tours à faire. Lewis Hamilton qui prend le tour le plus rapide. Oh, on prend un peu large ici, c'était pas ce qu'on voulait. Mais on reste devant George Russell. Pour info, on reçoit des données bizarres de quelques capteurs. Pas de raison de s'inquiéter, c'est sûrement des erreurs de données. Donc continue comme ça. Je te préviendrai si on a vraiment un problème. Fais pas chier alors que je gagne. Ça serait chaotique, là.
serait autant cruel que Carlos Sainz qui nous a détruits en Belgique. On a un beau petit train, là. Non, Perez, avec les gommes dures, il... Non. Hey, je t'ai vu à ma droite, là, George. Mais non, George, tu ne passeras pas. OK, il faut économiser un peu la batterie ici. La recharger du mieux qu'on peut. Et on l'utilise à 70%. On keep up le même travail. Oh non! Tu me niaises! Il m'a attaqué! Ben non! J'ai tout le temps fait ça de même! Non! Ben voyons là! Puis j'ai des dégâts! Mais chier! Je pensais être correct. Non. Merde, ça c'est très mauvais. Mais on va voir le DRS sur Russell. On va pouvoir l'attaquer et peut-être reprendre. Reprendre la tête. Ouais. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est une McLaren. Mais nous, on va attaquer. On y va. Plongeons. Pour la victoire potentielle. La batterie. Oui, on a réussi à prendre la première place. Maintenant, il faut la conserver. Malgré le fond plat, là. Oscar Piastri, finalement, qui est DNF. C'est triste, encore une fois, pour le pilote australien. Il semble qu'il n'est pas capable de marquer des points quand c'est le temps. Et nous, on est au dernier tour. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire après ce dive bomb sur George Russell au tour 18, virage numéro 1? Oh, il attaque. Mais on bloque le chemin. Ça va jouer à la ligne d'arrivée. Puis là, le fond plat peut peut-être faire la différence. Quand je dis le fond plat, je parle du fond plat qui est endommagé. On y va avec la batterie. Attention, je m'en fous. Je pense que ça y va. Oui. Victoire de Kelly Vrogne. Première victoire en carrière. Wow, au Grand Prix des Pays-Bas. Wow, quelle victoire et quelle course et quelle remontée au 18e tour pour aller chercher la première place, même si c'est George Russell, le pilote du jour. Wow, toute une performance de la Québécoise. Le Grand Prix des Pays-Bas se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Hey, c'était capoté. Elle a transformé une pole position en victoire. Voici les trois premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux, car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Eh oui, puis quand j'ai vu l'incident avec George Russell, j'étais comme, oh non, c'est terminé. Mais non, on donne de l'amour. Première place pour Kelly Vrogne, la Québécoise, qui monte sur le podium. C'est la plus haute marche du podium pour la première fois depuis Jacques Villeneuve. Wow, Charles Leclerc qui termine quand même troisième. Et toute l'écurie de Cornell City Team qui va célébrer ce soir. Wow! Finalement, après avoir manqué sa chance en Belgique, eh bien, elle saute sur l'occasion sur le circuit de Zandvoort. Toute une victoire. Et bravo aussi à George Russell qui a mené une belle lutte avec la Québécoise. Conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Et tellement une belle course. Kelly Vrogne qui termine premier.
25 points, c'est Lewis Hamilton qui est allé chercher le tour le plus rapide avec une 11.6, extrêmement rapide. Max Verstappen, quelle remontée de la 9e à la 4e place, il a profité justement des arrêts au puits pour se faufiler. Même chose pour Lance Stroll, était 12e, termine 8e, c'est excellent. Sergio Perez qui lui a choisi des gommes dures, ben il s'est un peu scrappé la vie. Fernando Alonso finalement 9e, lui qui était parti 6e, donc les arrêts au puits ont fait vraiment une grosse différence. Regardez, il y a même Daniel Ricciardo, 16e, termine 10e, marque un point. Il marque un point. George Russell était 10e et il finit deuxième. Max Verstappen, aïe, 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 c'est assez impressionnant à quel point il l'a arrêté au puits. Je pense que le fait que Kelly Vrogne ait fait un arrêt tellement lent, ça l'a retardé toutes les autres voitures qui étaient derrière elle. Donc, ceux qui se sont arrêtés avec Kelly Vrogne, à part elle, ont été désavantagés. Hein. Sainz, c'était Sainz ou Leclerc qui était deuxième. Non, c'était Norris. C'est vrai, Norris, il y a eu un problème. Norris, il est 15e. Qu'est-ce qui s'est passé avec Norris? On va aller regarder ça dans les reprises vidéo. Hey, Norris qui finit même pas dans le top 10. C'était peut-être lui le drapeau jaune là, de tantôt. Puis Arthur Leclerc, bon, lui, on s'en fout un peu. Hein? Il faut dire qu'il est toujours loin. Mais Oscar Piastri, c'est qu'il a dû abandonner. Si on regarde justement le directeur de course, Perez a choisi des durs. Gasly a choisi des durs. Zou, Piastri aussi a choisi des durs. Problème mécanique de Piastri. Des problèmes dans les arrêts au puits. Non, je pense que c'était juste du trafic qu'il y a eu qui a fait en sorte que Charles Leclerc a dépassé la Norris dans les puits. Au niveau du classement, ben, Max Verstappen domine largement la Norris maintenant par 18 points. Largement, c'est une blague. Mais quand même, Charles Leclerc, 46 points de retard. Hamilton, 48 points de retard. George Russell, 52 points de retard. Et Sainz, 54 points de retard. Le top 6 n'est toujours pas exclu de devenir champion du monde. Quel ivrogne avec cette victoire-là. Là, il a donné un gros coup à Sergio Perez et à Fernando Alonso. 131 points avec la Cornell Racing Team. C'est 90 points de moins que Max Verstappen. C'est excellent. Au niveau du constructeur, ben 131 points. On vient chercher la 5e place pour la première fois depuis bien longtemps sur Aston Martin. Seulement 4 points de différence, mais ça peut être un gros facteur au niveau monétaire. Et qu'en est-il de la première place? Ben, Red Bull qui devance Ferrari et Mercedes par seulement 3 points. Toute une lutte pour la première place entre les trois écuries. McLaren qui malheureusement ne marque aucun point aujourd'hui. Ça fait très mal. Surtout que les deux pilotes étaient quand même étaient dans le top là, au début là, de la course. Deuxième puis quoi? Deuxième et cinquième. Donc c'est assez décevant. Mais bon, c'est ça qui est ça. Hein. Ça arrive dans une course de Formule 1. Tout peut arriver. Mais bravo à Kelly Vrogne qui remporte le Grand Prix des Pays-Bas. Pour le plaisir, revoyons justement le magnifique dépassement de Kelly Vrogne sur George Russell lors du 18e tour. Ah oui, on voit de la fumée de Oscar Piastri en plus. Et regardez ici, waouh, c'est très bien fait par l'intérieur. Excellent dépassement de la part de la Québécoise qui est allée chercher la victoire suite à cette séquence. On peut voir également le fameux dépassement qui a été réussi par George Russell suite à un contact. Regardez. Oh, léger contact! Ah, un aileron endommagé. Aileron endommagé. On va le revoir de la vue de George Russell. Regardez ici. Boum! Ah ben oui, l'aileron de George Russell qui est endommagé. Donc, ça lui a donné un désavantage majeur suite à la course. De la vue du cockpit. Prend l'intérieur. Regardez, Kelly Vrogne était certain. Ah non, elle a coupé un peu la trajectoire. Mais George Russell s'est vraiment mis pareil à une place dangereuse. Regardez, boum, boum, boum. Oh là là, et par la suite, on peut voir que ça a passé proche d'être un contact avec Charles Leclerc et Max Verstappen. On va le revoir de la vue du Monégasque, le contact, lui qui était troisième. Regardez ici. Oh, boum! Aïe, 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 vraiment, vraiment, ça aurait pu être pire que ça. Maintenant, de la vue arrière de Kelly Vrogne. Boum! Ouf! Extrêmement dangereux, ça aurait pu être la fin pour la Québécoise au lieu d'être une victoire. C'est au début du 13e tour que la Norris commet une faute, il y a des blocages de roues et il est dans le gravier et à cause de ça, eh bien, il s'est retrouvé bien loin du top 10. Et j'étais curieux de voir aussi comment Sergio Perez avait perdu ses positions face à plusieurs voitures, dont son coéquipier. Ok, regardez ici, déjà très bien fait par la Fiscalité Ferrari, après ça, le duel entre Verstappen et Charles Leclerc. Oh, et on peut voir ici la suite. Et boum, c'est fait double dépassement du Monégasque. Et pour terminer,
les derniers instants de Calibrogne qui traverse la ligne d'arrivée et le drapeau à damier. Bravo à Calibrogne qui vient chercher 5 points contre 3 pour Sergio Perez, donc 17 à 14 avec deux courses officiellement restantes. La Québécoise qui prend les devants sur le Mexicain et la popularité évidemment de Cornelius Team qui vient énormément d'être boosté par cette victoire, cette première victoire en carrière pour l'écurie et pour la pilote propriétaire recrue québécoise Calibrogne. Incroyable, c'est excellent. Et au niveau de l'argent, eh bien, on va chercher près de 400 000 $ avec Opaque et Loop. On se rapproche du 6 millions. 50 000 cependant de dégâts sur le fond plat. Ça, c'est suite au contact avec George Russell. On est en fait près du 7 millions. Hein, en fait, c'est excellent. On va pouvoir améliorer les infrastructures. Bonjour, patronne. Nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par rapport à nos dépenses. Oui, je viens de le dire, on a beaucoup d'argent. D'ailleurs, le prochain Grand Prix, c'est le fameux Grand Prix de Monza en Italie, à la maison de la Scuderia Ferrari. Donc, soyez présents pour le prochain épisode. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche pour justement ne pas manquer le prochain épisode. C'est Trevor Cornet qui vous dit ciao, ciao!